Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous avez bien, c'est Akiron, surtout aujourd'hui dans ce quartier résidentiel de ma ville moderne. On va visiter cette maison aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Du coup, les amis, vous avez déjà visité cette maison auparavant. Il n'y avait pas d'arbre autour, c'était en fait en map solo. Du coup, là, j'ai commencé le quartier, hein. Je viens juste de commencer. J'ai pas fini les routes, j'ai mis beaucoup d'arbres puisqu'on est à côté de l'autoroute et pour garder une certaine intimité pour les habitants, voilà. Du coup, il va y avoir plein de petites maisons qui vont venir se greffer autour de ces rues, voilà. Ce pylône électrique va disparaître, hein, bien évidemment, parce que ça, c'est le premier pylône que j'ai pris. Bref, j'ai fait deux modèles de pylône et celui-ci était immense. Il était disproportionné, du coup je voulais le garder, je voulais le déplacer à un autre endroit sur la map. Vous inquiétez pas, voilà. Du coup, voilà, grande maison moderne, j'avais mis des petites images sur Discord. À la base, il était juste en bedrock comme... Oh shit, man. Comme ce que vous voyez ici. Comme la vraie maison, parce que voilà, c'est une vraie maison que j'ai reproduite dans Minecraft. Sauf que ça rendait pas bien dans Minecraft. On essaie de reproduire au complet et ça rend pas bien du tout. Du coup, j'ai changé pour du bois ici. Par contre, j'ai laissé quand même ici pour laisser un petit style, tu vois. Voilà. Du coup, on peut faire le tour comme ça. C'est assez imposant comme maison. C'est plus grand que l'autre. Excusez-moi. Ici, vous avez l'aménagement extérieur. Je vais faire un tour rapide, hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, on peut tourner autour encore. Donc, c'est vraiment... C'est très... aménagé, incrusté dans la nature, voilà, c'est ce que je voulais dire, avec des grandes vitres ici et tout. Donc voilà, ici deux garages, voilà, bien évidemment, on est en Amérique, les grandeurs, les idées de grandeur, voilà. Donc la porte d'entrée principale, on entre, et qu'est-ce qu'on a? Déjà, d'ailleurs, je trouve que l'aménagement est mieux que mon autre maison, par contre, je suis vraiment nul en aménagement. Si vous voulez voir quelqu'un de bon en aménagement, sérieusement, là, allez voir Roquefort, c'est un de mes potes, sa chaîne est en description, excusez-moi, voilà. Moi, je m'en vante pas non plus que je suis nul en intérieur. Mais lui se débrouille quand même assez bien. Donc voilà, allez voir sa chaîne, ça va vous faire plaisir. Et puis voilà. Du coup, on rentre je sais pas comment on appelle ça. Entrée. Merde, j'aurais pu mettre un tapis, putain, tu vois à quel point le détail et tout. Voilà, deux crochets, comme d'habitude, c'est tout le temps ça que je mets. Ici à droite, on a le salon. Très beau salon, j'aime bien, hein, vraiment. L'aménagement avec. Que ça fait vraiment très grand, tu vois, avec les vitres ici, les grandes vitres. Bien évidemment, ici, il y a des connexions de texture, excusez-moi. Donc voilà, à cause que j'ai changé les matériaux et tout. De toute façon, c'est juste aménagé, on s'entend, c'est déjà correct que c'est aménagé, comme je dis toujours. Voilà, la télé, un grand salon, c'est vraiment très spacieux, je suis vraiment très content. Ici, on a une vitre, c'est pas aménagé, c'est un petit cercle. C'est surtout un détail architectural, en fait. Voilà, ici, on a un autre, on voit en fait l'autre étage du haut. On a des grandes vitres ici, des grandes baies vitrées. Et puis voilà, on peut continuer ici. Dehors, on a la terrasse. Ici, on a une petite table, je sais pas, pour ranger des journaux et tout. On a la cuisine, elle est déjà mieux que ce que j'avais fait auparavant. Du coup, ce que j'ai vu que Roquefort avait fait, en fait, Roquefort, il a mis des petits de trappe. Et je trouve que ça rend quand même assez bien. C'est des petites idées comme ça. Donc voilà, je rentre en idée comme ça. Pourquoi pas, je trouve ça rend bien. Bonne idée, Roquefort. Du coup, voilà, avec ça, c'est très connu. Tu mets des tapis un par-dessus l'autre et ça fait un espèce d'aménagement. Même ce que j'aurais pu faire, je pense que je vais le faire. J'aménage en même temps que vous. Ah, ouais, comme ça, là, par contre, ça fait vraiment. Sinon, ça avait l'air de flotter dans les airs, mais comme ça. Quoique, ça va pas dans le style du reste, mais on va le laisser. Ah, attends. Merde. Bah oui, comme ça, c'est... Bah, comme ça, on va laisser comme ça, hein. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, on aménage en live, pourquoi pas. On a escalier pour monter en haut, on a la petite table à manger, je vous le dis, hein, c'est pas très ergonomique. On peut regarder dehors avec les magnifiques arbres. On a le garage ici. Le garage qui est mieux aménagé, mais par contre, que l'ancienne maison ici. Est-ce que je pourrais ou non? Ça donne sur l'extérieur, d'accord. C'est pas très grave. Voilà, merde. Je vais juste enlever ça. Comme ça. On a le garage avec les lignes jaunes, voilà, pour dire, va pas là, voilà, ça c'est délimité comme ça, tu vois. Ici, on a les structures, en fait, pour que la porte se recule, se tienne au plafond, plutôt. Voilà, ici, je pense pas que je peux changer pour, ouais, c'est ça, voilà. Ça donne tout le temps sur l'extérieur, mais c'est pas grave. Voilà, on a les petits drains ici, des lumières, voilà, un garage très simple. Ici, on a des étagères pour mettre les outils, je sais pas quoi. Avec le pylône, voilà. D'ailleurs, il va y avoir des maisons à la place et tout. Vous inquiétez pas, ça va être beaucoup mieux. Si je ferme la porte... Ah ouais, merde, attends, la porte, je pense que j'ai même pas mis du bon côté. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà.
Donc ça ressemble à ça le garage. C'est un beau garage. S'il n'y aurait pas les petits coins ici, ce serait beaucoup plus beau. Mais on peut pas faire grand chose, voilà. J'ai changé par après. Donc du coup on entre, on montre le second étage. On montre, oui voilà. On montre le second étage. Voilà, encore une fois, beaucoup de verre. Beaucoup de vitrage en fait. De vitres, de fenêtres, c'est très vitré. Le balcon hein, sur l'autre étage d'en dessous, je trouve vraiment ça stylé. Si j'ai essayé de faire un truc sans connexion de texture, c'est assez compliqué. Donc voilà, à moins que. Oh, j'aurais pu. Attends. Ouais, j'aurais pu changer ça. Peut-être que je le ferai tout à l'heure. Du coup, voilà, on entre ici. D'ailleurs, on n'avait pas vu la salle de bain. La salle de bain qui est ici, on la voit pas, elle est du côté de ce mur-là. Première chambre, les. Oh shit, man, t'es sérieux? What the fuck, man, qu'est-ce. Oh. Shit, attends un peu. C'est vraiment chelou par contre comme bug là, c'est pas normal. J'ai remis les lits rouges. J'ai tout le temps mis des lits gris. Puis là, il m'a spawné des lits rouges. C'est bizarre. Bref, je vais garder, peut-être ça a fait pareil pour l'autre chambre. Est-ce qu'il y a de la lumière? Ouais, c'est les deux seuls trucs de lumière. Tu vois, c'est vraiment ultra simple. Est-ce que j'ai le saut automatique? Non, j'ai tout le temps l'impression d'avoir le saut automatique à cause des lits. Je pensais tout le temps que c'était plus grand qu'une dalle, mais en fait c'est le contraire. Ici on a l'autre, ouais voilà, ils sont disparus. Et c'est chelou ça, what the fuck. On va remettre des lits. Ah, je pense que c'est en fait quand j'ai mouvé la maison avec MCZ d'une map solo à une map map ici, voilà, tout simplement. À cette map, voilà. Du coup on a une vue sur la piscine, voilà ce que je voulais dire. On peut sortir ici, on a la salle de bain ici, on a une petite vitre, hein. Je trouve ça sympa. On voit même les bureaux, même pas presque. Donc voilà, on peut venir ici. La salle de bain est très spacieuse, avec des lavabos, tout le temps le même truc. Lavabo, toilette, douche, c'est la salle de bain militaire, tu vois, pas plus de trucs, même pas de miroir, tu vois, j'ai oublié le truc comme la dernière fois. C'est fou ça, d'accord. Donc miroir, voilà. On enlève le cadre. On a la petite. Le pommeau de douche, excusez-moi. Le bouton que j'ai racheté. Parce que la dernière fois, j'avais pas ça. J'ai l'impression qu'il fait noir. Je vais remettre ça. Ouais, voilà, ça éclaire un peu. Peut-être sur la fin de journée, les amis. Voilà, toilette et tout. Et les fenêtres qui donnent en haut à l'air. Bah, qui donnent en l'air en fait. À la base, j'étais supposé faire une chambre ici. Mais je me suis dit, c'est des fenêtres en l'air comme ça. Ça tonne. Ça sonne extrêmement bien pour une salle de bain. Donc, pourquoi pas, on va faire la salle de bain ici. Voilà. Donc on va aller, en fait on a tout visité la maison, fait qu'on va aller dehors checker l'aménagement extérieur, la piscine et tout. Je suis assez fier de ça quand même. Voilà, donc ici on a le spatio, oui voilà, le patio, donc la terrasse, voilà, je cherchais le mot. La grande table qui est dans les jambes en fait de l'entrée. Avec le barbecue, tout simplement, voilà, le fameux barbecue. Faudrait que je fasse des vidéos juste pour l'aménagement extérieur, voilà. C'est des trucs simples, mais je trouve ça quand même assez stylé. Voilà, un petit barbecue comme ça, tu vois. C'est trop simple. Pour la table et tout, voilà, les transats, un gros sofa, avec de la vitre et tout. Ici, j'ai mis, en fait, ici, voilà, il y a les transats et tout sur le bord de la piscine. Ici, j'ai fait un petit espace, voilà, comme ça, avec des transats. Bon, ici, il n'y a pas d'ombre. Mais normalement, voilà, t'es à côté après la F, puis il y a des arbres en plus. Du coup, t'es supposé recevoir plus d'ombre que ceci, voilà. Ici, on a la piscine. What the fuck? Ah, t'es pas sérieux, man. Ah, putain, ça fait chier, ça. Du coup, voilà, j'ai changé en fait la piscine. C'est parce que quand j'ai copié-collé les maisons, j'ai pas pensé. La piscine fait deux blocs de profondeur. Et du coup, moi, j'ai juste pris le bloc ici de plancher. Du coup, ça a copié-collé, ça a mal copié-collé. Du coup, voilà, la piscine, j'ai fait un fond de deux blocs de profondeur, contrairement à l'autre piscine de l'autre maison. Qui est dans un, j'ai mis de la prismarine dans le fond. Je trouve vraiment ça bien. On dirait vraiment l'espèce de produit qu'ils mettent là dans les piscines creusées. Qui fait un aspect bleuté. En plus de nuit, là, j'adore en fait le truc que ça donne. Avec les lumières bleues. C'est des lumières en fait que j'ai changé moi-même avec mon pack des textures. En fait, c'est des prismarines. Lanterne de mer, donc ça allume et j'ai changé la texture pour un truc bleu tout simplement. Donc je trouve vraiment que ça donne un beau petit petite ambiance. Genre de piscine, tu vois, là, on dirait que l'eau vraiment est bleue. À la place de mettre un fond quartz, c'est que le quartz est blanc, donc du coup, ça fait une espèce de d'eau colorée jaune, voilà, tu vois. Donc ça donne un bel aspect comme ça de nuit, je trouve. Sympa si on enlève le pylône et on rajoute la lune à côté, voilà. Donc je vais remettre le jour.
Voilà. Du coup, voilà, la piscine, la petite chute d'eau, comme la vraie photo de la maison qui était. C'était pas la même chute d'eau, pareil, hein, mais je voulais faire un truc comme ça. Donc, c'est stylé, voilà. Voilà, donc on a les transats, encore une fois, on a la table, on a les autres transats, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, bien évidemment, vous pouvez sortir ici et aller dans la forêt, voilà, visiter vos voisins. Pourquoi pas, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la maison. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur les prochaines maisons que je vais visiter. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous propose un tuto, pas sur cette maison-là, mais une maison de ce style, tu vois, américaine avec des gros toits et tout, pas des toits plats. Peut-être un peu plus de cette grosseur-là. Je ferai pas l'intérieur par contre pour le tuto, je pense pas. Ça va être ultra compliqué à faire à l'intérieur. Fait que je vais juste vous faire l'extérieur, mais dites-moi d'ailleurs, bah en fait, dites-moi tout de suite en sondage, ça va aller plus vite comme ça. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la vidéo, il y a deux vidéos qui s'affichent présentement, et du coup, je vous dis, allez, ciao ciao, merci de m'avoir regardé, allez, à plus!